Hello! Bon matin! Good morning! Bon dimanche! Est-ce que vous êtes en forme comme nous autres? Je vous invite à partager tout de suite si vous voulez gagner un dé. J'ai apporté 3 prix à faire gagner. Alors, on veut du monde parce que on a un petit défi, je pense. Mel, pourquoi tu t'es habillée comme moi? C'est toi qui t'es habillée comme moi. Ah, ok, c'est ça. Tu achètes toutes mes affaires. Oui! Oui, prends le siège dans l'auto, mon ami. Je vais juste partager parce que je vais te mettre la main. Oui, on partage, on vous laisse partager parce que on a un défi. Manili, la semaine passée. Oui, on est en retard. Je suis désolée. Manili, la semaine passée, on a atteint 652 personnes sur le live. Puis il n'est pas question que Manili me batte. Oh, parce qu'elle est très compétitive. Moi, okay? J'attends rien de moins que 700 personnes. 700 personnes minimum. Puis, évidemment, pour gagner un cadeau, il faut vous partager. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Parce que l'auto, les lumières sont parties. Ah, c'est pas grave, ça. Bon, alors. Bye, à tantôt. Bye, nous. Hello, bonjour de France. Alors, on vous laisse partager. Nous aussi, on fait ça de notre côté. On va mettre de la petite musique oui, parce qu'aujourd'hui, on fait un maquillage un peu spécial. Mais c'est quand... Tu m'as jamais confirmé que c'était ça qu'on faisait. Ben oui, regarde. Ça ressemble un peu à ce que je vais, à ce que j'ai présentement. Bon, pardon, ça s'en vient, ça s'en vient. T'as-tu partagé, toi? Moi, j'ai partagé, j'ai de la misère à partager. Tout est partagé. Ah! Attention, 13 Denis. Partages déjà, acoustic ça va bien. Acoustic 70s, the best acoustic covers. Oui, ça commence avec Hotel California. Ben check bien ça. I know. Ça, je trouve que c'est la pire tune insupportable du monde. Hein? Oh, ouais, ben oui, mais ça fait tellement 70s. Oui, absolument. C'est ça. Puis là, justement, en parlant de 70s, mon père qui me parlait, parce que avec qui tu prenais ton café, toi, le matin? J'ai déjà pris ben du café avec du monde de ta famille. T'as pris des cafés avec tous les gens de ma famille, les, en fait. Tous les gens, il manque juste Jimmy, pas tant Justin. Ça sent bien, mais t'as super avec. J'ai super avec. Voilà. Et là, je prenais un café avec Papili ce matin. Ouais, Papili. Il est entré ici, cet homme-là, puis j'ai dit, ben voyons, Pierre. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Ben oui, mais lui, lac à tortue, il a passé sa jeunesse, là. Tu comprends? Tout ça qu'il m'a dit. Il t'a expliqué ça, café, la plage idéale, puis tout. Il a fait un beau latte. On est rendu à 195 personnes. Yes! Continuez à partager. Vous allez avoir un beau maquillage. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que j'enseigne à Mélissa à faire le maquillage. C'est ça. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous apprenez vraiment des techniques pour que je puisse vraiment... Exemple, si vous le faites, ou mes élèves qui sont là aussi, mes élèves qui sont là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez par la suite trouver les techniques nécessaires pour pouvoir enseigner à vos clients. Fait que... Moi, je vais me plugger. Qui se plug? Je vais me plugger, là. Tu te plugues où? Ben ici, Gabin. Ah, oh, elle se plug! C'est parce plug que... comment? Bon, de bien d'abord. Bien de manière. On continue à partager? C'est qu'en fait, je suis à quelques likes d'atteindre mon objectif sur Facebook. Ah! De gens qui aiment ma page. Alors, allez aimer ma page, Mélissa Normandin-Roberge, conférencière et coach. Fait que là, vous allez vous faire dans vos habillés, Daniel Lonval. Allez cliquer sur j'aime et sur mon Instagram, je l'atteins, mais ce sera le fun. Mais là, aussi. On veut pas qu'il y aille tout de suite, on va y non, perdre. Tantôt, restez ici, sinon vous ne pourrez pas gagner. Exactement. Mais là, si vous voulez la retrouver, je l'ai taguée en haut dans le titre. OK? Daniel Lonval, fait que là, vous êtes-vous habillée pareil avant? Ben non, elle s'est habillée comme moi, je me suis habillée comme elle. On s'est dit, bon, ben écoute, parce qu'on va avoir le même maquillage. On va être des sœurs de make-up. J'ai dû partager partout, il me reste une autre place, moi, à partager. Puis après ça, on commence le maquillage. Mélissa va se mettre des faux cils elle-même. Mon Dieu. Ouais, c'est ouais, pas ouais. Cette histoire-là. On va vivre ça ce matin. Et comme je disais, il faut atteindre le 700. Hein? Hello! Anna qui a partagé. Allô, bonjour les filles. Qu'est-ce qu'ils partagent? C'est quoi l'histoire? Ben, j'ai apporté 3 cadeaux. Trois cadeaux artistes. Toi, t'as-tu de quoi à faire tirer? Oui. Bon. 4 cadeaux à faire tirer. Je sais pas encore quoi, mais je vais faire tirer quoi. Bon, fait qu'il va avoir, il y a 3 cadeaux artistes, puis il va avoir un cadeau paillette. Fait 4 cadeaux, là, donc vous avez beaucoup, beaucoup de chances de gagner. Puis là, on commence à partir de quoi? 300 personnes? Ouais. Fait que, comment? Invitez vos amis, partagez, parce qu'on veut se rendre à 300 avant de commencer le maquillage. Youpi, mon premier live, les filles, je capote! Ben oui, c'est donc ben le fun, ça! Bon dimanche! Puis là, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un maquillage rétro ce matin? Ouais, pourquoi? Ben en fait,
Mélissa, ça fait combien de fois que tu me demandes de faire un maquillage rétro? Ça fait longtemps. Puis je sais comme pas pourquoi. Je sais pas. Je trouve ça beau, moi, le eyeliner qui a plus de bon sens. Là, elle aime ça, le trait d'eyeliner. Puis le blanc. Tu sais, il y a comme le blanc, oui. J'aime ça. Bon, elle aime le blanc, mais là, j'ai pas amené le blanc à soir. Bon, à soir. Elle l'a pas amené, c'est mais non. Elle voulait le blanc, mais là, je l'ai pas amené. Je me suis dit que là, ça... OK, on est à 15 de commencer le maquillage, parce qu'on va commencer le maquillage à 300 personnes. Hello! Donc, j'ai également, tantôt, je vais faire tirer parmi celles qui aura partagé. On a un beau petit cadeau ici, artiste, mais je vous dis pas c'est quoi. C'est le cadeau mystère. Vous ne serez pas déçus si vous gagnez ça, je vous le dis. Vous ne serez vraiment pas déçus, on vous l'envoie. Pourquoi qu'il n'y a plus de musique? C'est quoi Pourquoi qu'il n'y a plus de musique? On veut la musique 70s, se mettre dedans. Je te mets ça, là. Coucou Julie, allô Nathalie! Nathalie qui nous dit « Je vous regarde de l'aréna, yes! » Pratique de hockey. Bon dimanche, j'espère gagner. Oui, nous en c'est fini. 61, on continue, Je disais qu'on était à 15 tantôt. Non, je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée avec les... Ça va ta dyslexie. Je me suis trompée avec les minutes d'une heure. Hey, moi, j'ai quelque chose à savoir. Avez-vous fini vos cadeaux de Noël? C'est quand Noël? Dans 2 semaines? Dans 1 mois. Noël, c'est dans 1 mois. Noël, c'est dans 1 mois. C'est ce Chelsea que je veux dire. Chelsea Longval, jamais rencontré. Ah ben, tu vois? Ça? Ben non, mais jamais. Écoute, Chelsea... Je t'attends, puis tu me connais pas. Voyons, Chelsea, c'est quoi l'histoire? C'est moi, ta tante, bon, tu ne connais même pas. C'est ta tante Payette, voilà, on est tous rendus des oncles, des tantes. Daniel Lombard, c'est l'oncle. Mais, c'est l'oncle de tous mes enfants. C'est là. Ça, on est à 19 personnes. Oh mon Dieu! 19 personnes de commencer le live, puis on va peut-être faire tirer de quoi à 300 dans le fond tout de suite. Parmi toutes celles qui ont partagé, on va faire tirer de quoi? Bonne idée. J'ai aucun cadeau de fait, Maryse. Oh! Moi, écoute, ils sont achetés. Ah. Il m'en reste 2. Vive les cartes cadeaux. Sais-tu quoi? Moi, cette année, ça a été vive les spectacles. Ah oui. Non, mais pourquoi vous n'achetez pas les cadeaux dans la boutique de ma... Ah, vous n'aurez pas, ben oui, pas à aussi. Faire, mais vous pourrez les acheter pour les donner. Ben, il y en a Oui, le 31, ou au Boxing Day. En tout cas. Là, y a-tu d'autres places parce que j'ai pas partagé? Mais je sais pas, moi, Partagez partout, vous autres, là. Hein? Moi, je l'ai mis partout, là. Rosalie Pagier, un avant-goût de notre trip make-up avec Marilyn. On finit depuis peu. Oui, terminé. Oui, c'est fini, enveloppé. Mon Dieu. Hé! Hey! On est à 5, 4, 4, 5! Ça va, la dyslexie? On est à 4! Oh! Oh! I! Continuez! Je vais commencer, je vais faire tirer. Quelque chose qui va bien aller à tout le monde, en fait, c'est un fard à paupières artiste. Alors, c'est un fard à paupières pâle, un beau rosé, là, il a l'air blanc, là, mais c'est un petit rosé mat qui convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde. Qui va le gagner parmi celles qui partagent présentement? Il manque, mon chien, vous avez de la paix. Ah oh, oui, qui fait des... 295, continuez. Hey, c'est à qui ça? C'est à qui ça, ce beau petit fard à paupières-là? À qui? Non, c'est moi qui le garde. Ouais, c'est ça. On est à 4 encore. Il reste à partager. Hey, j'ai l'impression qu'on est comme dans un... Un encan, exactement. Allô? Qui dit mieux? 302! Yeah! Yeah! Bon! Bravo! Parmi celles qui a partagé... Attention! Dans 3... Dans 2, dans 1, dans 0! Julie pour Nibal! En plus, elle vient dans mes lives. C'est vrai! Paillettes. Julie, c'est à toi, le petit fort à paupières. Julie, faut que tu m'écrives en privé. Tu nous donnes ton adresse postale, on va te le poster. Bravo, Julie! Bravo, Julie! Bon, parfait, on commence ça. Vous... Hey! 386. Hey! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 385! Ça va! Yeah! Bon, fait qu'on sera ce matin, on a dit à... On sera à 100, minimum. Non, attends, c'est simple. On sera à 1000. On sera à 1000. Okay. Bon, on va commencer le maquillage, puis là, le problème avec Mélissa, c'est que elle est toujours... Ah! Tu vois, quand on l'approche comme ça, c'est mieux. Ah, bon. Là, bon. C'est... OK. Alors là, premièrement, 447, ça va bien, hein? Oh! Oh! Tu parles avec les commentaires. Excusez. Bravo! Yay! OK. Continue là, de partager, de commenter. Ben oui, parce qu'il va y avoir à 5... pas à 500. À 600, là, on fait je fais tirer un autre produit. On fait tirer maille. On fait tirer... Non, voyons.
qu'est-ce qu'on ferait ça? Ben, pour une nuit, là. Il y a rien le lendemain matin, tout est parfait. 2000 personnes ont fait tirer mal. Attends, on est assis à la table, de même. Attends, c'est ça qu'on va le vivre de même? OK, parfait. Bon, là, maquillage rétro, une des choses, c'est que le teint, premièrement, est fait comme ça. T'es grande, hein? J'essaie de... Oui, je sais bien, je sais que je suis grande. Mais oui, mais là... Bon, et là, le maquillage rétro, c'est assez simple. Au niveau du teint, on aime ça un teint qui est bien bronzé. OK? Un teint qui est réchauffé. Alors, aujourd'hui, comme moi, présentement, on va utiliser la palette La Vénitienne. Alors, la palette La Vénitienne... Oh, bonjour de Belgique! Je suis tombée en amour du Québec. Je te comprends donc, Chloé. Il y avait aussi quelqu'un de la Suisse. Donc. De la Suisse! On va prendre dans la palette La Vénitienne la couleur. Voyons, on va l'avoir. On arrive à 500 personnes. Ici, OK? Qui va permettre de ombrer. Donc, pour Mélissa... Là, toi, tu vas faire l'autre côté. Ah! Bravo! 500! Non, 500! Mais non, mais je... Mamélie va pouvoir aller se rhabiller. Ah, moi, je veux battre Mamélie, là. Elle va battre Mamélie. Elle est rendue chez ce soir. Elle se promène, puis elle pense que c'est la vedette de l'hôpital La Flèche. Non, c'est vrai, ça fait 10 ans qu'elle n'est plus à l'hôpital La Flèche. Mais anyway... 600 personnes. À 600. Faut battre quoi? Faut battre 652. OK. OK? Et là, je prends... Parce qu'on parle toujours de maquillage, on s'en rappelle. Je prends la poudre de modelage. Et pour Mélissa, OK, on va parler beaucoup de psychomorphologie. D'ailleurs, pour le mois de janvier, vous allez voir, on va en parler énormément. Mélissa, je l'ai déjà analysée. Ça fit tellement avec... Ah oui? Oui. Mais tout ça pour dire que Mélissa a aussi les traits, des traits dilatés, OK? Mais elle a aussi une structure faciale, OK? Qui est très découpée. Alors, il faut faire attention de ne pas trop non plus découper davantage. C'est pour ça qu'au niveau du modelage, je vais aller au pourtour, mais je vais aller plus sur les os qu'entre les os, vous comprenez? Juste pour aller donner un effet, oui, ombré, mais sans trop découper davantage. Comme j'adore ça. Mélissa quand elle applaudit. Je suis un petit peu expressive. un petit peu expressive. Là, il faut que tu fasses l'autre côté. Donc, tu vas prendre la poudre de modelage d'un côté. Tu prends le pinceau. Alors, on a pris ça ici. Là, tu le pars ici. Alors, tu le pars ici comme ça. Oui. Puis ensuite, tu vas de chaque côté du visage. Tu peux aller monter dans le front un petit peu. N'oubliez pas, mes élèves, quand vous enseignez le maquillage, faites-le toujours avec votre cliente à côté. Bonjour de la Belgique! Comme ça. Et on peut descendre un petit peu. Tu peux terminer un petit peu sur ton nez. Comme ça. Voilà. Comme ça? Oui, et voilà. Et au niveau de... regarde, déjà, ça donne un petit teint. Ouais. Et le maquillage des années 70, il n'y avait pas vraiment de fard à joues. Donc, on ne mettra pas de fard à joues. Il n'y en avait pas. Souris. Alors, on va juste rajouter un petit peu de poudre. Je sais pas si mes bracelets vous énervent au niveau des t'en bruits. Beaucoup, hein? Oui, j'en ai beaucoup, puis ils ont toute une signification bien particulière, pour vrai. Puis là, j'ai eu un nouveau ici de ma BS préférée. Savez-vous c'est qui ma BS préférée? Ma BS qui veut dire belle-sœur. Attention. Qui m'a donné un bracelet Ohana. C'est un bracelet de la famille avec un petit arbre comme ça. Puis, il y a les pierres sont poreuses. Ça veut dire que je peux mettre des huiles essentielles sur les pierres durant la journée. J'adore. C'est hot, hein? J'adore. Puis, évidemment, j'en ai deux magnifiques aussi de Sophisticate. Parce que j'ai... Ah, moi aussi, j'ai... Ah non. Oui, c'est lui, j'ai... Non, c'est moi, j'ai lui. Lui, c'est parce que j'ai été la mère en affaires de l'année. Imagine-toi donc, à un moment donné. Et puis, celui-là, c'est de Sophisticate. J'en ai un de notre club, notre cercle d'excellence avec Martin La Tulipe. Puis ça, c'est un cadeau de ma cousine. Fait que c'est ça, c'est bien le fun. Ils veulent tous dire quelque chose de particulier. Bonjour de Provence. Oui, continue de partager parce que quand on arrive à 600, je fais tirer l'autre cadeau. L'autre cadeau, je vais vous le dire, c'est quoi? Alors, on est dans un fard à joues, toujours bien universel. Alors, c'est un beau fard à joues artiste. Voilà. Sissi, regardons, Sissi. Sissi l'impératrice. Sissi l'impératrice, un fort ajout artiste mât qui convient à toutes les couleurs de peau. Faut se rendre à 600. Alors, à 2000 personnes, on fait tirer Sissi. À 2000, on fait tirer Sissi. Et Maille. Et ça. Et deux. Ça va être une grosse note. Ils vont aller vous bâtir une maison en 3 secondes, ça va être Ah, je vous dirais que 2 jours, c'est fait. Deux jours. Deux jours. Salut, Sissi. Salut.
Allô, Cici! C'est bon matin! Sandra a gagné cette semaine qui était dans mon live puis qui a gagné ton cadeau, qui a gagné les palettes. Oui, Sandra, t'as gagné mon cadeau! Oui. Oh, je suis tombée contente. Partager. On commence avec la poudre, pas la poudre, excusez-moi, mais avec une base pour les yeux, super important pour que ça tienne. Alors, on commence à en appliquer partout sur la paupière mobile. Et n'oubliez pas d'en appliquer sous l'œil. On regarde en haut. On en applique sous l'œil. Comme ceci. Comme cela. On fait un maquillage papy de ton époque. De ton époque, dans le temps que tu te tenais à la plage idéale du Turtle Lake. Oui. Ouais, ouais, ouais. On va mettre nos pantalons pas de téléphone. Tu vas avoir l'impression de voir Maminette en personne. Non, elle avait sa ligne bleue déjà. Ah, ben oui. C'est à toi. Alors, on tapote dans la base. Comme ça. Et on en applique partout sur la paupière mobile. Est-ce que t'en mets jusqu'au sourcil, c'est ça? Oui. Je t'ai demandé l'autre fois. Okay. Oui, t'en mets jusqu'au sourcil. Elle est tellement populaire, ta base, je sais, Backorder, hey, vous m'avez... Dévalisé complètement, mais on en attend. Puis t'en mets en dessous. Donc on... Oui, c'est ça, exactement. Ça sent bien, cette base-là, c'est une magie en coffret. Alors, aussitôt qu'elle est disponible, je vais vous le dire. À 2000 personnes, on fait tirer ce tome-là. À 2000 personnes. Vous l'avez. Il est à vous. Lui, là, il rénove toutes les maisons du monde. Avec Maï, pardon. Hey! Continuez de partager. À 600, là, on est loin, là. On est loin de 600. Venez-vous-en, là. Hein? Go. Oui, oui. Go, go! viens me dire, papy, Sissi. Qu'est-ce que je dis? Ben, partagez. Dis donc qu'il faut qu'il partage. Let's go! On partage! C'est lui qu'on fait tirer ouais, c'est lui qu'on à 2000. Fait tirer. Alors, une des caractéristiques également du maquillage rétro, c'est qu'il y a de la couleur. Alors, il y a du bleu, hein, on le sait, ta mère est restée accrochée. Maminette n'a pas dérogé depuis. Et il y a également le vert menthe comme ça. C'est vrai. Qui est très tendance pour les années rétro. Alors, j'en prends avec mon doigt. Alors, moi, je dis « je frotte ». Mais les Européennes disent « je caresse ». Ah! Alors, j'ai appris ça cette semaine. J'adore. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais « je frotte », mais je n'étais pas capable de trouver une autre façon. Et puis là, on m'a appris qu'il fallait dire « je caresse ». J'ai dit « ouais, mais je caresse ». ».« Je caresse mon fard à paupières ». C'est un peu intime, non? Non. « Je caresse ». ».« Je caresse ». J'aille pas ça. Alors, on lève le menton et on va aller déposer sur la paupière mobile... Donc, sur la paupière qui bouge, le vert menthe, comme ça. C'est beau! Ah, c'est beau, hein? Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si Mélissa a les yeux verts, ouais, elle peut porter du vert, mais j'aurais pas été avec un vert comme ça. Du moins, je l'aurais positionné différemment parce qu'on veut pas... on veut pas comme... j'en perds mon mot, là, mais... affaiblir, mais... Tu comprends-tu? Aidez-moi donc. Ça devienne fade? Oui, mais ça, comment qu'on dit ça? Pas fadir. On veut pas... Amoindrir? Pas amoindrir. Il y a un mot diminuer. Pour ça. Pas diminuer. Aidez-nous donc. On veut pas comme... Diluer! Diluer, affaisser, mais il y a d'autres choses. Le vert de tes yeux. Mais là, aidez-nous, OK? On veut pas le vert de tes yeux. Atténuer! Hey, merci, Geneviève. Geneviève, une chance, t'es là. Elle applaudit, cette femme-là. Parce que tu vois, moi, des fois, j'en mets de ce verre-là, mais en ligne. Oui, en ligne ou en petite quantité. Ouais. Mais là, puisqu'on en met partout sur la paupière mobile... Alourdir. C'est ça, alourdir. Hey, merci. Alors, on va aller caresser. C'est ça. Okay. Et on va aller en appliquer. On lève le menton ou on ferme les yeux pour celles qui sont capables. Et on en applique sur toute la paupière qui bouge. Ternir. Hey, gars, sont-tu bonnes? Ternir, atténuer. J'en ai pas assez mis. Ouais, mais encore. Mais en fait, l'important aussi, c'est au début de peser un petit peu. Quand on pèse pas assez, là, le pigment ne peut pas... Regarde, en pesant. Ouais. Tu vois? Là, on est dans... Hey, écoute. Brigitte Bardot va te coucher. En plus, avec ton petit bandeau. C'est beau, oui! Mais oui, c'est beau. Des grosses boucles d'oreilles tantôt. Oui, toi. Grosses boucles d'oreilles. On va vous prendre des belles photos de ça. N'oubliez pas, à 600, on fait tirer le prochain cadeau artiste. Il faut On peut partager! Peux-tu lever un peu ta caméra? Oui, bien sûr, attends un petit peu. On va la lever.
Hey, nous autres, on a de la technologie à plus finir ici, là. J'en étais assez des deux côtés. C'est parfait. OK. OK? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça prend une couleur de transition. Dommage, Mélissa, le direct et le nombre de personnes dans le visage. Ah, mais tu peux, Joël, tasser. Tasse vers la droite ou vers la gauche, puis tu n'auras plus les commentaires. Tu vas pouvoir voir... Je vais me tasser de même. Oui, c'est ça. Et là, on va prendre une couleur de transition. C'est une couleur qui est moyenne pour aller créer le repli avec un pinceau boule. Hein, nos fameux pinceaux boule. Alors, c'est un pinceau qui est rond, OK, comme ça. Et là, on va prendre la même couleur de modelage. Montre-le. J'en prends un petit peu la couleur de modelage ici. On lève le menton un petit peu. Et là, on part du coin externe vers l'intérieur. Et on va aller... jusqu'à l'intérieur au complet. T'as-tu l'impression que je crie dans ta... Non, ça va. Toujours l'impression que je crie encore. Alors, vous voyez, là, ça, c'est une couleur de transition. Et cette même couleur-là, avec un petit pinceau boule toujours, mais petit, la même couleur, on l'applique sous l'œil. On regarde en haut, on descend un peu le menton. Regarde en haut, ton magnifique menton. Et on va aller ombrer le dessous de l'œil. Comme ça. Wow, Brigitte, elle s'en vient, là. Brigitte, elle s'en vient. C'est beau, hein? Oui, j'adore ça. C'est ça. Donc, je commence avec la couleur de modelage, comme ça. Alors, cette couleur-là ici. Et ensuite... comme ça. Oui, alors du coin externe vers l'intérieur. On lève un petit peu le menton pour avoir la place. Et de l'intérieur vers l'extérieur, on revient... on en réapplique un petit peu. Regarde donc pour voir. Ouais. Il en manque un petit peu, hein? Il en manque un petit peu. quand on parle de vert menthe avec des yeux bleus, c'est possible? Oui. Et faut juste faire attention. Exemple, si tu as des yeux bleus très pâles, tu vas aller mélanger ton vert menthe avec une couleur très foncée. C'est-à-dire soit un brun foncé ou même un noir pour aller équilibrer. Le but, c'est, encore une fois, de ne... comme Mélissa, qui a les yeux verts quand même assez foncés, peut se permettre, puis tantôt, on va mettre une ligne dans la nord, là, mais je veux dire, ça ne défait pas, ça l'atténue pas quand même le vert de ses yeux. Ça en était assez? Oui, regarde-moi là. Oui, il y a juste un petit peu dans le coin interne, on en applique un petit peu plus, c'est-à-dire juste ici, là. J'adore. Ah, ouais. Okay. Et ensuite, la même couleur avec le petit boule. Gros boule, petit boule. Et le petit boule... j'en vois ça de ton miroir. Le petit boule, on le descend vers le bas. Pas comme ça, mais couché vers le bas. Oui, on va du coin externe vers l'intérieur. À 600, j'ai hâte de faire tirer mon produit. Voyons, avez-vous tout partagé? C'est parmi celles qui partagent que vous allez gagner quelque chose. Si vous avez des questions concernant cette belle dame également, c'est le temps, là. J'apprends beaucoup avec toi grâce à ma voisine Marie-Josée qui suit tes cours. C'est donc belle fun, Sylvie. J'adore tes palettes, Kathleen. Yay! Je vais finir par acheter toutes les palettes. Oui, mais t'as pas fini, Aurélie, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Glissez votre doigt vers la droite et les commentaires vont se déplacer. Merci, Elisa. J'aimerais savoir quelle couleur de fond de teint artiste choisir. Chloé, envoie-moi une photo. Ces temps-ci, je fais que ça jour et nuit. Vous m'envoyez vos photos. Puis, je vous dis c'est quoi la couleur. Tiens. Voilà. C'est parfait. Puis, je me sens tellement 70s. Ben, c'est tellement, là, tellement, avec la toune, là. La toune, le bandeau. Le bandeau, tout est là. Fais-moi bien les bouts d'oreilles tantôt. Les yeux noisettes, châtain clair, les cheveux, quelle couleur pour les yeux? Ben, les yeux noisettes, tous les verts, les émeraudes, c'est exceptionnel. Puis vous n'avez même pas à avoir peur de ternir, vous pouvez aller directement au ras des cils sans problème. Maintenant, la ligne d'eyeliner. Écoute bien ça. C'est ça, je voulais savoir, as-tu ton eyeliner? Parce que ça va être plus facile pour toi. Oui, parce que j'ai apporté mon eyeliner liquide, puis j'ai peur Il est liquide, le mien. Mais t'es plus habitué avec la pointe. Ça, c'est une pointe feutre. En dedans. Ah, il est plus mince, lui. Ouais. Va chercher ton eyeliner. Pour faire une belle ligne d'eyeliner, parce que vous savez que les années 70s, c'est également un trait d'eyeliner assez épais. OK? Dépendamment des époques, là, on a les époques également, plus dans les années 50, le trait d'eyeliner est beaucoup plus fin. Les années 70, le trait d'eyeliner est plus épais et on a les gros fossiles.
Puis ensuite de ça, on va aller également découper le repli de l'œil. Ça, c'est la partie qui me fait peur en passant. Le eyeliner. Oui, ça fait peur, le eyeliner. Mais c'est surtout que ça va être très épais quand même, là. Martine, je vais essayer le vert, j'espère. On est dans les couleurs. Ça prend de la couleur, les filles, ça prend... Non, mais c'est beau, pour vrai. C'est pas exagéré, je trouve. Oui, moi aussi, Firmaine, j'ai utilisé la vénitienne. Fait que ça vous permet de voir aussi. Moi, j'ai les yeux plus bleu-vert. Toi, t'as les yeux vert-vert. Ça fait le même vert aussi? Oui. Ah ouais, mais ça sent pas pareil. Non, ça sent pas pareil d'une personne à l'autre. Alors, on va commencer avec le eyeliner. On ferme les yeux. Hey! Donc, on va au ras des cils. Moi, je fais ça de côté, assis sur une table. Ça va super bien. Mm-hmm. N'oubliez pas d'aller au ras des cils. Alors, on ouvre les yeux. On a une ligne droite. Oups. On a aussi un spot. Oui. Puis là, je m'en allais prendre ton torchon, mais c'est pas une bonne idée. Non. T'as peur? On a-tu un papier? Qu'est-ce qu'on prend? Non, je prends pas ça! Martine, bonjour. Je suis blonde... Les yeux bleu clair et un âge mûr, quel conseil de maquillage pouvez-vous me donner? Alors, évitez les gris, Martine, allez-y avec les bruns et les rosés. Le mélange de brun et rosé sur les blondes aux yeux bleus, c'est magnifique. Et même les pêches. Les pêches, ça va donner une belle fraîcheur. Alors, après avoir fait la ligne... Moi, je commence toujours par l'extérieur pour faire le eyeliner. Ben, on pourrait? On pourrait, mais c'est parce qu'il y en a des fois qui ne savent pas par où aller. Donc, le fait de commencer à faire la ligne normale et ensuite faire la pointe, ça peut aider quelques personnes. Partagez sur vos pages perso et non dans le groupe artiste. Ah! Ouais! C'est ça. Partagez pas sur le groupe artiste, je l'ai déjà fait. Partagez sur vos pages personnelles pour aller chercher vos amis. Là, Eleanor me pose un gros problème. On arrive à 500. Go, go, go! Alors, pour le trait d'Eleanor. Je sais que ça, c'est la petite bête noire de beaucoup. Ça prend énormément de pratique, évidemment. Vous partez du coin, du dessous de l'œil, et vous faites une ligne légèrement ascendante. OK? Mets-toi devant, comme ça. Voilà. Et ensuite, je reviens dans ma ligne. Pour faire un triangle, je remplis. Et là, je peux épaissir pour avoir une belle ligne en continu. Et ensuite, ce qui est important, c'est de terminer la ligne en pointe. C'est beau! C'est beau, hein? Oui. Lève un petit peu. Ferme ton œil un petit peu. Alors, on peut se permettre de la faire quand même assez épaisse, tout en restant dans le thème. Wow! Faut que tu fasses pareil, là! Oui! Ah, on est à 8 d'atteindre le 500. Alors là, Mélissa qui va faire son trait d'eyeliner. Bon, fait que c'est ça. Bon. C'est le moment de... C'est le moment de gloire. Alors là, je vais te montrer un peu comment tu fais la pointe avec paupières tombantes. Oui, Ludivine, et le fait de faire la ligne d'eyeliner beaucoup plus dans le coin externe, ça va faire que la pointe sera pas prise dans le repli de la paupière tombante. Donc, mais ça, je vais t'aider. Tu es droitière, tu continues avec ta droite. Cher. Ah oui. Voyons. Mélissa, t'es passée une soeur des années 70, mais je sais plus qui. Il faut trouver. Trouver. Il y a Rachel, je sais pas quoi, là, qui jouait dans Adam et Ève. Ah oui? C'est quoi? Hein? Papi? Papi? Dans le garage. Ah, papi dans le garage. Stéphanie, go, master, go! Bon. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever le menton et là, tu vas aller faire un trait à la racine de tes cils. Tu veux-tu avoir un miroir? Je pense que je vais prendre un miroir. Tiens, on va commencer par ça. Je commence ici? Oui, lève ton menton. Armandine, là, j'ai la peau noire mixte. Attends un petit peu. J'ai perdu ton commentaire. Ça sera pas long. Attends, faut que le monde te voie, là. Attends un peu, reste comme ça, toi. Moi, je vais m'adapter pour qu'ils puissent te voir. Okay. Vas-y. On va voir comment ça va, là. En attendant, je regarde. J'ai la peau noire mixte, yeux noirs en forme d'amande. Quelle couleur me proposez-vous? Merci. Ben, Armandine, toi, tu peux vraiment te permettre des belles couleurs
punché, mais pas trop pâle. Parce que sur la peau noire, si la peau, si le pigment est trop pâle, ça peut donner un effet de grisonné. Donc, exemple, les verts, les bleus, c'est magnifique sur toi, mais un vert comme ça, un beau vert émeraude. Alors, tu pourrais faire exactement la même technique que nous, mais au lieu de mettre le vert menthe ici, tu vas mettre le vert émeraude. Ça va être magnifique. Donc là, tu as fait ta ligne. Sachez d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est un maquillage quand même intermédiaire parce que Mélissa, ça fait longtemps qu'on pratique. Ça fait longtemps que je lui enseigne à se maquiller. Donc, elle a quand même une certaine expérience. Bon, là, je l'ai faite au-dessus. Ouais, ça va bien. Ça va très bien. Là, l'idée, ça va être, regarde bien, souvent, le problème, c'est juste la petite ligne de départ, c'est-à-dire dans le coin. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas ici? Dans le coin de l'œil, ça, là, c'est ici que va partir ta ligne. Regarde. OK. Là, en ce moment, tu es en train de me faire des points pour que je relie. Oui. Comme quand on a 8 ans. Exactement. Okay. Donc, approche-toi. Tu vois, j'ai pris le coin de ton œil et là, l'idée, ça va être de ramener dans ta ligne. OK. Tu es capable de faire ça? J'aimerais. Sylvie, blonde, yeux verts, teint olivâtre. Alors, les dorés. Des fois, mes élèves françaises, ils ne comprennent pas quand je dis le doré. Doré. Comme le poisson. Doré. Non, mais les autres, ils disent do. Nous, on dit da. Doré. Doré. Le doré. Or. Couleur or, Sylvie. Oh, du Maroc, Salma! On est allé au Maroc cette année. C'était magnifique. Un coup de cœur. Je pense que je suis pas pire. Hé, regardez! Oui, t'es bonne. C'est ça. C'est vraiment la petite touche dans le coin externe qui fait toutes les différences. L'affaire. Oui, Mélanie, j'adore vos vidéos. J'attends ma Venise. T'attends ta Vénitienne. Oh, c'est super. Oui, c'est ça, Karine. Rachel Welch. Ricky. Oh, elle était belle. Ben, c'est ça. Je trouve que tu y ressembles. C'est elle qui jouait dans. C'est ça. Non. Ben, je sais pas, je l'ai pas vue, mais c'est mon père. Il fait rien que m'en parler. Pour comme vrai? Si, Papy? Est-ce que c'est vrai que je ressemble à Ricky Welch? Toi, c'était qui ta... Ouais, papy. Toi, ta... Il va dire Brigitte Bardot, il aime les blondes. Papy, c'est qui, toi, ta préférée des années 70, des actrices? Oui, c'est ça, Lydie. Raquel Welch! Ouais, c'est Raquel Welch. Étais-tu belle, elle? Elle était super belle, qui dit. Ah oui, hein? Est-ce que ça l'a construit ton adolescence? Ouais. Ça a-tu fait partie de ta puberté? Comment ça marche? J'avais un poster. Hé! J'avais un poster! Mais j'y ressemble-tu ou je ressemble pas? Non, mais là, c'est quand même ton père. Tu sais, il va pas. T'es qui, tu demandes après? Nancy, j'avais peur d'acheter la palette la Vénitienne car je n'aime pas Elizabeth. Le vert. Non. Mais tu viens peut-être de me convaincre. Tu vas voir, Nancy. Vos vidéos sont super d'une fille blonde aux yeux bruns. Blonde aux yeux bruns, en plus, Nancy, c'est exactement la couleur qu'il faut. Mais Elizabeth Hurley, c'est une actrice des années 90. Ben oui, je sais, c'est qui Elizabeth Hurley? Elle a joué dans Austin Powers. Oui, mais c'est pas, ah, oui. C'est pas une actrice des années 70. Bon, on commence à manquer de batterie. Dites-moi pas ça. Qui? C'est qui finalement la plus belle, papy? À part ma minette, c'était, là. C'était Raquel. Raquel Welch. Ouais, allô, papy? La plus belle, c'était ma minette. C'était ma minette la plus belle, on le sait, ça, voyons. On le sait, ça. Bon, regarde-moi, je vais juste aller fermer tes yeux. Il est obligé. Oups, je t'ai fait une petite... Là, je fais juste... Il dit qu'il va se faire assassiner. Ben, voyons, elle est donc bien... incontrôlante, cette ma minette-là. C'est quelqu'un, ça. C'est quelqu'un, elle était mieux d'être la plus belle. Ah oui. Et elle le dit encore, ma minette, elle n'a pas de problème avec ça. C'était moi la plus belle. C'était moi. C'était moi la plus belle fille de grand-mère, arrêtez. Ouais. Avec Hélène Jacques. Hélène Jacques. Qui est en Floride. C'était les deux plus belles de grand-mère. Ah oui, hein? Je ressemble à Brooke Shields, on me le dit souvent, puis ça me faisait Brooke vraiment Shields. Plaisir. Ça, c'est un beau, gros compliment. Ça me faisait vraiment, vraiment plaisir. Je comprends. On me dit, tu ressembles à la petite fille là, dans le lagon bleu. Je sais pas, tu parles. Regardez comment ses yeux sont beaux. Là, niaisez pas. Là. On veut au moins se rendre à 600. Ouais. Fait que là, j'aimerais ça vous continuer à partager. Parce que nous autres, on a des cadeaux à faire tirer. Ici, c'est un cadeau mystère, artiste. Mais celle qui va le gagner, elle ne sera pas déçue, je vous le dis.
Mais pour le gagner, il faut que tu ailles partager sur ta page personnelle, à toi, pas dans un groupe. Brooke Shields, c'est vrai que je ressemble. Si c'est beau. Ben, si c'est beau, là. Et là, ce qu'on va faire, bon, un peu de mascara, ça, ça va bien. Je vais te laisser mettre ton mascara. Pendant ce temps-là, je vais préparer les fossiles. On lève le menton. Explique-leur comment faire le mascara. On lève le menton. Et on zigzague. Cheveux gris, yeux verts, quelle couleur je dois mettre? Merci. Cheveux gris, yeux verts, on peut y aller dans les charcoal. Et le vert également, un vert pâle. On peut également les yeux verts avec les cheveux gris. Attends un petit peu. Les beiges, mais les beiges... pas les beiges rosés, pas jaunes, mais un beige vraiment neutre comme ça. Ça peut être très beau, ces verts-là aussi. Les charcoal, pas trop gris bleu, mais plus un genre de gris brun. Gris brun? Oui. Savez-vous à quoi ça ressemble, un gris brun? Non. Ouais, j'ai pas ma palette. La palette, dans la palette Inspiration, vous avez des gris bruns. Mais ça, c'est Brigitte Bardot en brune. On veut ça, c'est gentil aussi. Exactement. Gâche son fine, hein? Brigitte Bardot, on la trouvait bien, 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 bien belle. Moi, tu vois, je voulais être Claudia Schiffer. Cheveux châtain foncé et yeux marrons. Quelle couleur? Châtain foncé et yeux marrons. Je sais pas, est-ce que ton teint est plus pâle, plus foncé? Mag. Partagé, très beau. Oui! Continuez, là. Continuez. Maintenant, c'est l'heure des fossiles. T'es-tu prête pour les fossiles? Wouhou! Alors, les fossiles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper aussi le petit coin de chaque côté ici. On va quoi? On va aller couper. Alors, juste un quart ici, comme ça. OK. De chaque côté. Pour avoir les fossiles comme ça. Sont pas trop longs puis que c'est pas trop lourd. Ça, c'est... Hein? T'es peur, hein, cette histoire-là. Ça, c'est bien épeurant. Ben, écoute, j'ai survécu au... Combien de temps sur les fossiles? Une journée, dans le fond, jusqu'au temps que tu te démaquilles, mais tu peux les réutiliser 2-3 fois. Mais ça, j'ai des sosies partout. Angelina Jolie, Pocahontas, Brigitte Bardot en brune. Ça, ben oui, t'es donc bien polyvalente. Mais oui, je suis donc bien. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Si, elle est polyvalente. Si, je suis polyvalente. Alors... On a également la fameuse pince à fossiles qui fait toute la différence. Je pense qu'elle est BO aussi encore, mais bon. Et backorder, elle aussi? Ben oui. Tout est backorder dans la... On a eu un gros... un gros automne. Alors, on met la colle à la base. Et là... Merci, Lynn! On laisse sécher un petit peu. Ensuite, on lève le menton et je vais aller déposer à la racine des cils, comme ça. Et je peux ensuite prendre mon... Voilà. C'est pas là. Regarde en bas. Alors, on va bien placer près des... Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Ça va, ton... Ah, oh, tu parlais-tu des fossiles ou de ce que... Ah, j'ai vu. Ben oui, regarde en bas. Ton folle reine. C'est moi, je peux pas croire qu'on battra pas ma mini, je m'en remets pas. Non, elle s'en remettra pas, là. Non, je m'en remettrai Comment pas. Comment ça? Est-ce que tout le monde a partagé? Taguez donc des amis qui viennent voir le live, parce que regardez bien ça, là. Ma mini, là, en ce moment, elle se promène à la Plaza de la Morsi. Puis elle dit que c'est la star de Shawinigan. C'est moi la star de Shawinigan? Ouais. C'est pas elle, c'est moi, mais il faut se rendre au moins à 600. Ben, il faut taper le 652. Exact. Au moins. La seule qui n'est pas backorder, c'est toi, Marilyn. Oh, on ben oui, je suis encore là. On n'est pas backorder encore. Je vais me faire les cheveux en roux. Oh, ça va être beau. Quelle couleur irait les yeux verts? Waouh, ça va être beau, Chloé. Très beau. Ben, dans les teintes de cuivré, ça va être magnifique. Et les bruns roux, justement, les bruns cuivrés. Alors, ça va être ton tour, ma belle. Là, j'ai un peu peur. Ah! Les fossiles. C'est la première fois, hein? De que tu mets des fossiles? Oui. Ben voyons. Ben, non, mais que d'habitude, c'est toujours toi qui m'en mets, puis moi, je suis pas capable de... Ma Millie aussi, elle a eu de la misère, ma là. Millie aussi, mais elle, on a fini par l'avoir. Puis bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider, justement. Bon, Émilie, elle a partagé deux fois plutôt qu'une. Émilie, c'est toi qui devrais gagner. Partagez, dites-nous donc qui a partagé. Écrivez-nous. Partagez, partagez, partagez. Là, voilà. On tient avec ça ici et on doit aller... Donc, tu dois le tenir comme ça. OK. OK?
Tu dois lever le menton. Tu mets avec un... Non, vas-y comme ça. Et là, je vais te guider. Tu lèves le menton. Tu vas aller sur tes cils un petit peu. Comme ça. Tu vois, tu sens tes cils. Et tac, lâche-les. Voilà. That's it. OK, attends. Là, ensuite de ça, tu fais juste comme reprendre tes doigts pour les placer. Voilà, c'est fait, ma belle. That's it? Oui, puis là, tu peux les descendre, là. Oui, parce que là, je les ai comme à peu près dans le front. À peu près dans le front. Là, tu peux les descendre, ils vont comme prendre la forme. Ça fait plaisir, Chloé. J'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Hein. Je sais que vous avez... Je trouve ça bien le fun, j'aime bien ça. Ah, ben si. Hey, t'es capable de me donner vos oui. cils, mon Dieu, la révolution. La révolution, j'arrêterai pour le moment, mais puis je vais m'en mettre, puis je vais m'en mettre. Mais là, c'est pas fini. Il reste quelque chose de très particulier la pour faire. Couche de masque. Aussi, mais pas tout de suite. Pour faire le maquillage vraiment full rétro, OK? Ouais. C'est beau, là. Regarde-moi, mais oui, c'est beau. Il y a juste lui que je le trouve un petit peu trop haut. Il est trop haut? Ouais. Regarde-moi, donc. Tiens. Ce qui est le fun avec la colle, là, c'est qu'on peut vraiment. On peut le... Ça, c'est la magnifique colle Kala, justement. La Kala, c'est une colle qui est sans latex et qui est malléable pendant comme plusieurs minutes. Ça fait en sorte que même si tes fossiles ne sont pas placés au bon endroit, tu peux comme les reprendre et les replacer. Donc là, tu avais coupé ça. Oui. Tu fais juste le... Je vais juste revoir la technique. Oui, mettons, c'est ça. Dans le fond, il faut que tu le tiennes comme ça. Okay. Puis, regarde, tu vois ça, là, mm-hmm. c'est comme la forme de ton œil. Ouais. Fait que quand tu le déposes comme à la racine des cils. OK. La même. Ouais. Top. Racine des cils. Vas-y, tu peux y toucher. Ouais, c'est ça. Tu vois-tu? Puis là, après, tu peux aller les replacer comme ça ouais. directement avec ta... Je comprends. Que c'est beau. Ah, c'est beau, là. On aime ça au bout. Je vais même te rajouter juste un petit peu de vert à ce bord-là. On aime bien ça. Il y a bien du monde qui pensait que ce verre-là... Il disait, voyons, es-tu folle de mettre ça dans ses palettes? Hey, attention. Non, attention. Okay? Attention, ici, on sait de quoi on parle. Là. Quelqu'un, hein? Ça, ici. Là. Hey, c'est quelqu'un, ça. Bon, ensuite de ça, pour terminer, il faut aller vraiment restructurer le repli de l'œil pour que ça fasse très, très 70s. Okay. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté. Moi, j'aimerais vraiment ça que les gens t'envoient plein de photos après ça de leur maquillage. Oui! Vraiment, oui. Même. Vous allez... Aujourd'hui, vous n'avez rien de mieux à faire que vous faire une face de 70s. Exactement, vous n'avez rien à faire. Fait que vous vous faites une belle face de 70s, vous prenez une photo et vous la mettez en commentaire dans ce live-là. Je veux voir ça. Moi aussi. Est-ce qu'on peut faire un look semblable avec la Valencia? Oui, Stéphanie, tu peux faire un look semblable. La Valencia, tu vas utiliser ton doré. Doré. Ton doré. Puis, c'est quoi l'autre couleur pâle que t'as? Ouais, ça va être le doré que tu vas utiliser. Et ce qui pourrait être écœurant avec la Valencia, c'est que là, la technique qu'on va faire, là, dans le repli, tu vas utiliser le bleu. Ça, c'est la prochaine affaire qu'on va faire, Nel. Prochaine affaire. Ah oui? Oui, mais là, c'est Steph qui va l'essayer. Cet après-midi. Ouais. Là, je vais prendre le brun très, très foncé ici. Je prends le brun très, très foncé. OK? Et là, regarde bien, je vais partir de la ligne d'eyeliner. La ligne d'eyeliner, ça va vraiment être ton l'endroit où tu vas commencer et tu vas aller créer une ligne en rond. Regarde, ça commence comme ça. Oh, OK. Puis là, avec les fossiles, on voit un petit peu moins bien, là. Tu peux lever un peu plus ton menton comme ça, devant la lumière, voilà. Et là... Vous êtes merveilleuse, mais c'est moi la vedette. Qui ça, la Carmen vedette? Carmen! Carmen! Ah ben, Mamily! En passant, Carmen Ali, celle qui vient de faire un commentaire, c'est elle, Mamily. Hey! C'est elle, en Mamily. Passant. Mamily! No way! Ah, c'est elle, la vedette. Ça se peut pas. Et là, on va faire dans le repli de l'œil. Regardez, je fais une ligne jusque dans le coin interne. Et je veux quelque chose d'assez défini. Parce que c'était ça, la mode. Sûrement que Mamily puis Maminette, c'est ça qui faisait les autres. Hein? Mamily, sache que j'ai pris un café avec ton mari ce matin. Oui. C'était l'homme avec qui j'ai pris mon café ce Exactement. matin. C'est tout. Fait que vous voyez ça. Et là, ensuite, super important, vous prenez un petit pinceau boule. Et là, on va juste aller estomper au-dessus. Juste pour garder ça fluide et prêt à porter. Hein? Vous savez, il y a des maquillages éditoriaux, il y a des maquillages prêt à porter.
Puis là, si c'est beau. Nous autres, on s'en va à la plage idéale. Oui, nous autres, on s'en va à la plage idéale. La plage idéale, là, c'était la place pour sortir dans les années 70 au Turtle Lake, au le lac à tortues. Le frère de Céline Dion, Michel Dion, il jouait là toutes les fins de semaine. Arrête avec ça, je te jure. C'était ici que ça se passait ici. Avant. Ouais. Ça fait longtemps que je le dis que ici, là, Shawinigan et Turtle Lake, c'est le berceau du monde. Oh mon Dieu Seigneur! Shawinigan, le berceau le du monde. Le berceau du monde. Oh, je sais pas quoi dire. Je trouve ça bien beau. C'est beau, hein? OK, là, faut que tu refasses la même chose. On reprend le brun foncé. Là, je vais juste voir. Puis là, mets-toi de l'autre côté pour que les gens voient ce que tu vas faire. Fait que toi, tu vas pouvoir... Ouais, te tourner comme ça. Là, tu pars ici. Tu pars du coin, c'est ça. Tu lèves ton menton. Et là, tu vas aller dessiner. Avec la ligne bien... Ouais, c'est ça. Puis là, ton pinceau, tu vois, la pointe doit pointer vers l'extérieur, l'autre côté. De même? Comme ça. Dans le fond, quand tu le mets... Exactement. Ouais. L'autre bord, ton... Ou à moins... Non, fais-le donc comme ça, oui. Puis là, vas-y par petites touches. Comme ça. Exactement. C'est ça. Yeah! Monte dans ça. J'ai fait un petit... Oui, c'est pas grave. Mais... Ça va bien. Ah ben, si c'est beau. Hein? Le berceau du monde. Le berceau du monde. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour aller atténuer ça? Hein? C'est que je vais juste aller avec un pinceau. Juste aller enlever un petit peu, là, au rat ici. Attends un peu, je suis même pas dans le bon bord. Quand la France, quand tu dis au rat, ils te comprennent-tu? Au rat! Au rat des cils. Est-ce que vous me comprenez? Au rat, c'est... Pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Mais on essaye. On essaye tellement. Reposez-la, Soumia. Oui, parce que, écoute, on en a tellement. On veut vous montrer comment vous faire ce maquillage-là. On essaye bien. Une excellente question. Qui ça, là? Non, mais... J'adore vos trucs partagés. Reposez-la. Cheveux châtains foncés, yeux verts, teint pâle. Que me conseilles-tu? Cheveux châtains foncés, les yeux verts, le teint pâle. Ce qui va être très beau, ça va être les teintes de cuivré et rosé également. Si tu préfères les teintes froides, tu vas aller vers le rosé. Si tu préfères les teintes chaudes, Valérie, tu vas aller vers le cuivré. Bon, là, on va arrêter de niaiser. Moi, je veux partager mon... je veux absolument qu'on fasse tirer les cadeaux ici artistes, qu'on ship partout à travers le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous partagiez. Puis là... Là, je vais juste aller comme enlever un petit peu, parce qu'il y en a un petit peu plus que l'autre. Et là, l'idée, c'est qu'on va aller juste estomper le dessus. Vous voyez, si Mélissa est capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, parce que c'est pas une pro, parce qu'elle fait pas ça tous les jours, et parce qu'elle va simplement suivre... Puis en fait, c'est juste puis de... Je vais aller en remettre vraiment, c'est ça que je me rends compte avec le maquillage, c'est que c'est vraiment du dessin motricité fine. Oui. Il faut juste comme y aller doucement, on prend notre temps. La ligne dans la noeud, tantôt, tu fais pas ça de même, tu y vas doucement. C'est ça, exactement. J'adore ça. C'est vraiment beau, hein? On aime ça au bout. Puis là, tu sais, si on voulait, on pourrait mettre vraiment les maquillages éditoriaux comme ça, là. On peut vraiment faire comme une ligne de crayon. Mais moi, je trouve que ça, là, c'est de bon goût, là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous? Puis là, on a une petite distorsion qu'on appelle avec la lumière, là, qui fait une différence d'un côté comme de l'autre. Fait que je vais essayer de les égaliser. Ah! C'est beau! C'est beau! Faut toujours mettre du mascara. Alors, oui, là, maintenant que les faux cils sont secs, on peut remettre une deuxième couche de mascara. Alors, on lève le menton. On lève le menton, puis là, tu peux te tasser sur le côté juste pour qu'ils voient comment tu te places, c'est ça. De toute beauté. Caroline, je veux que tu essaies ça, puis je veux absolument voir ta photo. Julie, pourquoi pas toi aussi? Si vous n'avez pas de vert chez vous, parce que c'est pas une couleur que les gens sont habitués quand même de mettre, mettez une couleur pâle, tout simplement. Alors, une couleur pâle dans le repli de l'œil. Moi aussi, je vais m'en rajouter du vert. Une couleur pâle dans le repli de l'œil. Pas dans le repli, mais sur la paupière mobile. Donc, moi, j'ai utilisé le vert. Gomme-moi ça. Hey, on est belle comme s'il n'y a pas de lendemain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reste ici. On travaille dans nos affaires. Ouais. Ça va vite, là, cette histoire-là. Hey, hein? Bon, superbe.
Je rectifie quelques petites choses, regarde-moi. Parfait. Donc, je vais... Attends un petit peu. Il y avait... J'aimerais aussi la réponse. Je répondais à François. J'aimerais savoir, mais reposer vos questions, parce que là, on perd le fil. Hey, attendez un peu. Guilou était supposé de répondre à vos messages en même temps. Pense à ça. Ça sera pas long. On va aller voir. C'est vraiment magnifique. J'ai hâte de voir. Puis là, je vais mettre des boucles d'oreilles après, des grosses boucles d'oreilles des années 70. J'aimerais juste ça. Qu'est-ce qu'on met ses lèvres quand on est maquillé? Attends. Merci, c'est gentil. J'adore votre maquillage. Hey! Non, mais ça me prendrait, là. Ah, oh, je sais ce que je vais mettre comme vêtement. Oui, j'ai hâte de voir ça. Là, je vais juste aller rectifier la ligne d'Alander ici pour qu'elle soit pareille comme l'autre. Tu peux regarder en bas vers moi. Comme ça. Juste pour être un petit peu plus mince que l'autre. Alors, je vais juste... Même après les fossiles, on peut aller rectifier tout ça. Regardons. Ah ah! Et oui, à l'époque, là, ils mettaient des gros fossiles comme ça, imaginez-vous donc. Tout le temps. Regarde en haut. Et là, après, quand on a terminé ça, on regarde en haut. Vous allez où après, est-ce que vous sortez? Ben non, on reste ici, puis on travaille. Notre nom, alors, c'est Marie Makeup et Mélissa. Yeux bruns, cheveux bruns, teint rosé. Quelle couleur pour les yeux? Yeux bruns, cheveux bruns, teint rosé. Yeux bruns, cheveux bruns, teint rosé. Ben dans les teintes de rosé, de charcoal. C'est ça. C'est fait. Je vais aller vous voir cet été. Un de mes amis a un chalet au lac à tortues. Vive Shawinigan. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu ressembles de plus en plus à Angelina, mais tu es beaucoup plus belle. Oh, mais Angelina Jolie est quelqu'un, là. Elle est quelqu'un, c'est... là. Je la trouve belle, moi, mais c'est très gentil. Je la trouve. C'est une de mes actrices préf, en plus. Qu'elle a réussi à avoir Brad Pitt dans son lit. Juste pour ça, ça mérite un prix Nobel. Un prix Nobel. Ah, Julia Roberts. Ah, oh, ouais. Elle ressemble à qui? Moi, je ressemble à qui? À qui je ressemble, moi? Quelle actrice? Good job, les sœurs Cosmé. Je ressemble-tu à une actrice, moi, des fois? Regarde en haut. Je sais pas. Fait longtemps que je me suis pas fait dire ça. Quand j'étais blonde, parce que sachez que j'ai déjà été blonde, je me faisais souvent dire que je ressemblais à plusieurs actrices. Là, c'est comme fini, on dirait. Ouais, on va trouver. On va trouver. Maintenant, là, je mets juste une petite poudre matifiante. C'est quoi la poudre blanche, là? Ça, c'est la... Non, c'est une poudre plus mate. Mais habituellement, je vais mettre la poudre matifiante, la poudre translucide. Mais là, dans ce cas-ci, vu qu'on est en vidéo, on a besoin que ça soit un petit peu plus... Bon. Maintenant, pour les... là, t'as mis ta deuxième couche de mascara. Oui. Et là, les lèvres. Les lèvres, je vais y aller avec le trio. Je me rappelle plus c'est quoi le trio. Ce trio-là, c'est un trio de velours à lèvres. Alors, c'est les velours à lèvres. C'est des rouges à lèvres mat. Elizabeth Taylor, moi aussi j'aurais dit ça. Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor. Oui, hein? C'est vrai. Où à Québec peut-on se procurer vos produits? C'est directement, René, sur la boutique labcdumaquillage.com. Donc, c'est directement là que tu peux avoir tous les produits. La Belgique est là! Oui! Tu es unique, merci! Cheveux bruns avec du roux, les yeux bleus, un peu de vert. Alors ça, on va y aller dans les couleurs chaudes, les teintes cuivrées, les bruns. Charlize Theron. Ouais. Hey. Non, non, pas moi. Toi? Non, non, toi. Tu penses? Elle a les yeux bleus. Oui, puis elle est blonde. Ouais, mais mettons Charlize Theron en noir. Mettons. Bon, alors le coffret ici, des velours à lèvres. Alors je me rappelle plus, c'est les... Attends un peu, je vais prendre le temps. Tiens les dents en attendant. C'est les... Ah oui, alors c'est des velours. Des velours à lèvres. À lèvres. Je vais aller voir sur la boutique pour ça, vous dire way, c'est quoi une le trio. Hey, c'est... Il n'y en reste pas beaucoup. D'ailleurs, non, c'est le temps d'aller les commander. Vous allez sur la boutique de l'ABC du maquillage, cadeau à offrir. Et celui-là, c'est le trio numéro... Attendez... trio numéro... C'est tout ça, Fosie? Numéro 10. Alors, le trio numéro 10, vous avez trois lacs à lèvres. Alors, on va les essayer, les trois. Je vais vous les montrer, les trois.
J'ai 56 ans, peut-on oser la couleur? Hey, oui! Valérie, si tu savais comment tu peux oser la couleur, allez voir ce que j'ai fait avec Mamélie qui a 61 ans. On a Anna Kendrick quand même un peu, ouais. Alors, vous avez trois velours à lèvres ici. Et, alors ça, c'est un des premiers, donc c'est comme un genre de rosé. Ensuite de ça, on a ici, qui est un petit peu plus brun. Moi, je vais peut-être y aller avec ça pour toi. Ah oui? Un petit brun mauve, où on a le plus pâle ici. Donc, vous avez trois couleurs complètement différentes. Comme ça. Oh, je l'ai pas, lui. Ah, il est beau, lui. Il est beau, lui. Gabriel Villemur. Tu connais pas, toi, la petite Villeneuve, hein? Non. C'est parce que c'est pas une phase de lundi, ça. Ah non? T'as une belle, ça? Gabriel Villemur. Gabriel Villeneuve. On va y aller avec ça. Villeneuve ou Villemur? Ah, oh, c'est une longue histoire. On les rebaptise tout le temps, c'est un monde. Ils peuvent pas finir avec leur vrai nom. Bon, fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir du milieu de la lèvre inférieure. Tu vas en mettre un petit peu en bas. Ah oui, ah oui, ah, mets-en. Ouais. C'est okay. Ça. Et là, ensuite, tu vas en reprendre. Faut juste pas se mêler. Il est beau, hein? Il est très beau. Je veux juste être sûre que c'est la bonne couleur que je... Ouais. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en mettre en haut. On va partir du coin externe. Et on va vers l'intérieur. Comme ça. Coin externe de l'autre côté, vers l'intérieur. Bon matin à vous. J'ai découvert vos lives il y a une semaine. J'adore. Yeah! Je suis contente! Mets-toi les trois. Comme ça. Puis là, après ça, tu peux aller vraiment dessiner ta lèvre. La petite pointe. Mais c'est beau, hein? Puis si tu veux, tu peux aller juste comme estamper un petit peu. On aime bien ça. Gabrielle Villeneuve-Villemur. Villeneuve-Villemur. Elle a déjà... Elle me voyait beaucoup mettre du gloss. Puis je mettais du gloss dans des situations très particulières de ma vie. Puis j'en mettais, puis j'en mettais. Puis du gloss, puis du gloss. J'en mettais. J'aimerais ça que tu me dises, Mélissa, le temps que... Parce que là, dans quelques minutes... On fait partager, on va faire tirer tout ça. Là. Même si on ne s'est pas rendu à 500, là, inquiétez-vous pas, je vais vous faire partager quand même ça. Et là, l'idée, c'est que, un, vous ayez partagé, et deux, Mel, je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi que tu fais dans la vie. T'es qui, toi, mettons? Ouais. Le numéro, c'est le trio numéro 10, Nathalie. Quand on a des petites lèvres, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'aimerais ça te répondre, mais moi, c'est pas mon cas. Tu peux dépasser. Moi, je dépasse tout le temps. Donc, tu dépasses un petit peu avec de 1 mm, tout simplement. Peux-tu dépasser, moi? Non, toi, tu dépasses pas, t'as pas le droit. Ah. Le coffret, Julie, que tu as utilisé avec ta mère, c'est quelle couleur de gloss? C'était le trio numéro 1 avec Mamélie. Il est écrit dans le live. Là, oui, on va y aller avec. Ouais, ça. Mais c'est parce que mon bandeau est gris. Ah bon, tu gardes ton bandeau, puis tu vas défaire tes cheveux par hasard. Je l'ai défait. Oh oui. Regarde bien ça. Regardez bien ça. Comment qu'on va finir ça? Bien ça. On va. Tu gardes ton bandeau, mais. Ben oui, mais dans le temps, le monde était épi. Ça se lavait pas les cheveux dans le temps. Ah, OK. Hein, papy? Oh, ben là, papy? Vous laviez pas les cheveux dans le temps, hein? Les années 70, là? Bon, deux fois semaine, puis les cheveux, c'était deux fois par mois. Ouais, tiens. Puis là, mets donc tes belles boucles d'oreilles. Can anybody hey, regarde, puis là, hein, on sait que dans le temps, là, c'était demain. C'était crêpé. Oh, oh, c'est beau! Oh, si, c'est beau! Voyons! Yeah. Aimez-vous ça? Si vous aimez ça, faites des pouces, faites des cœurs. Go, 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 go! Comme ça. J'en avais peut-être d'autres couleurs, mais... Ben, c'est... Ah, ouais, parce qu'on va peut-être les perdre. On les voit pas. Attends pas. On les voit pas. Non, mets les autres. Bon, on va mettre les autres. Hey, c'est dans... beau, là! Il y avait jamais... C'était never too much dans le temps. Non, hein? Non, non. Dans le temps, là, ils avaient pas peur de mettre du verre menthe sur leurs yeux. Puis regardez comment c'est beau. Yes, c'est beau! Oh! Où c'est qu'on va? Ça mais voyons! Toute la journée, voyons donc. Ben oui, mais il y a pas de place à aller, ça. C'est bien. On va à la plage des Halles. On va à la plage des Halles.
Puis, comment vous la trouvez, notre hein? Master Paillette? Mais là, tu nous as pas dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, Master Paillette. Comment ça, t'es... Merlin, je trouve que tu ressembles à Catherine Zeta-Jones. Oh, ben ça, c'est un beau compliment. Mais merci, avant, Nadège. Avant quoi? Ah, oh, avant? Anne l'a perdu. Ah oui, mais là, on vieillit tout. Anne l'a perdu. C'est ça. Bon, là, ensuite de ça, dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie à juste avant. Là, dans quelques minutes, là, je vais faire tirer ça. OK? Mais là, je veux qu'en attendant que vous partagiez, si vous n'avez pas eu la chance de partager, continuez à partager parce que ça vaut la peine. Regardez le beau maquillage que Mélissa s'est fait. Le maquillage rétro. On aime ça au bout. J'adore ça. Pour vrai, je vais me le faire tous les matins. À tous les matins. Avec plein de couleurs. Avec plein de couleurs. Qui veut le cadeau ici? Ah! Si, il veut le cadeau. Là, c'est vraiment Brigitte Bardot. Oui, Brigitte Bardot. Beautiful. Qu'est-ce que ça me dit à Rachel Welch? Non, il répond pas. Il répond pas. Ça ressemble à qui? Regarde ta fille. Ah, mais oui. Ça ressemble-tu à mon père ou à ma mère? On le sait jamais, ça non plus. Non, non, c'est mélangé. C'est oui, même. C'est ça. Mais là, j'aimerais. Tu vas-tu finir par nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais, dans qui, toi? Le monde, ils se demandent. Ils se disent, voyons, elle fait juste te promener avec des paillettes. Qui me connaît? Qui connaît Mélissa? Faites un pouce si vous connaissez Mélissa. Ouais. Puis après ça, je vous dirai qu'est-ce que je fais dans la vie. Ouais. Qui me connaît, moi? Non, mais là, on est sous l'ABC du maquillage. Ça se peut qu'ils te connaissent pas, là. Tu n'as pas beaucoup des pouces. C'est plus Mamily, là, qui est connue ici, dans cet univers-là. Ouais. C'est Mamily, la vedette. Mamily, la vedette. Va falloir mettre Maminette sur le... Hey boy, hein? Non, mais là, sa ligne bleue, on n'est plus capable. Là. En 2020, c'est terminé. C'est terminé. Oh, j'ai essayé. Moi, j'ai vu toutes tes vidéos, je suis rendue une fan finie. De qui? De Mary Makeup ou de moi? Ouais. Ouais. Tu ressembles à ta sœur. Qui ça, toi? Ça doit être moi. T'as-tu une sœur? Ben... Ou c'est moi, ta sœur? Ben là, je sais plus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK, alors, moi, ce que je fais dans la vie, à la base, je suis coach d'affaires. On me surnomme Master Paillette. Mais c'est rendu comme plus que ça. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'inspire les femmes à mettre de la paillette pour vivre une vie qui leur ressemble. Ça veut dire qu'on travaille notre développement personnel, on travaille notre confiance en nous, notre estime de soi. On travaille, en fait, l'idée qu'on a juste une vie à vivre. Fait que ce serait le fun qu'elle soit le fun. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que j'écris des livres. Elle a écrit un livre. Est-ce que le livre est disponible? Là, on est back order. Back order. Bon, hey, on est back order de on tout. On est back order. Hein? Fait que j'écris des livres. On a des produits paillettes comme ceci. On a des. Ça va être disponible au Boxing Day. On a plein de rabats. Ça, c'est sur, je pense que c'est sur nezpourbriller.com, c'est ça? Non, ça va être .ca. .ca. On a plein de ça. Et on a le programme du membership, en fait, qui s'appelle le Nez pour briller, dans lequel je vous enseigne, tu vois, comme là, au mois de décembre, on parlait de gratitude. Comment c'est important de mettre de la gratitude dans sa vie. Puis au mois de janvier, ça va être comment atteindre ses objectifs. Tu nous inspires à vouloir plus, même si on n'est pas en affaires. C'est ça. C'est que là, maintenant, ben c'est ça. Né pour briller, c'est Madame Tout-le-Monde oui. qui veut s'épanouir. C'est ça, hein? Oui. Puis tu sais, on se dit, mais c'est pas une belle mission, tu penses? Pourquoi est-ce que le dimanche matin, on se fera pas une face de même? Puis moi, des fois, j'ai envie de dire, ben pourquoi pas? C'est ça. La vie. Ou le lundi, vous savez, on est bien fort sur le lundi, hein? T'as le goût de faire quelque chose de spécial, t'as le goût de vivre quelque chose de spécial, tu y vas. Exactement. Fait que c'est ça que je fais dans la vie maintenant. Puis je fais des conférences un peu partout, puis je suis toujours avec elle. On est tout ensemble. On est toujours ensemble. Exactement. Cheveux blonds, yeux marrons, quels sont vos conseils? Cheveux blonds, yeux marrons, ben la vénitienne est parfaite pour les blondes aux yeux bruns parce que ça fait sortir les yeux bruns et elle est assez douce justement pour celles qui sont blondes. Donc, OK, je fais tirer. On va faire tirer mon fard à joues ici, le fard à joues universel. J'en ai d'autres comme ça, donc dans les prochains lives, soyez là. Ça fait à tout le monde? Ça, c'est, oui, c'est une couleur universelle. Voilà. Alors, nous allons faire tirer à... C'est toi qui lis. Marilyn Proulx! Marilyn Proulx! Tu gagnes le fard à joues artiste. Donc, Marilyn, tu nous écris en privé et tu nous écris ton adresse en privé. On va pouvoir t'envoyer ça. Est-ce qu'il mérite quand même le cadeau paillette que tu voulais faire tirer? Ah, ou t'es oui. déçue? Ben, je sais pas, on dirait. Elle est un peu déçue.
Il va falloir que tu reviennes. Ben, on n'aura pas le choix. On n'aura pas moi, le choix. Moi, je pense qu'il faut qu'on tienne notre parole. Faut qu'on tienne notre parole. C'était à 600, hein? Mm-hmm. C'est ça. C'était à 600. Mais je vais quand même vous faire tirer le magnifique petit cadeau mystère. C'est un cadeau mystère, OK? Je ne sais pas si je vais vous le montrer ou pas vous le montrer. Je le montre-tu, le cadeau mystère, ben, ou je ne le montre pas? Tu le montres. Est-ce que tout le monde a partagé? Bon. Cadeau mystère. Qui a partagé? La Vénitienne, c'est une palette. Tu vas dans la boutique, tu vas dans la collection Vénitienne. C'est celle que tu avais aujourd'hui, mon chien. C'est celle qu'on avait aujourd'hui. Et où, la Vénitienne, la belle Vénitienne? Regardez-moi ça. C'est quand je suis allée à Venise. C'est moi, ça, la petite fraîche. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis inspirée des paysages de Venise pour moi, j'étais créer... en arrière. Elle était en arrière. J'étais ici. Elle était là, genre. Ouais, c'est ça. Puis elle attendait son tour. Et vous voyez, c'est les couleurs, justement, inspirées des magnifiques paysages de Venise. Et on dit que la Vénitienne, elle est amoureuse, exaltée et pure. Évidemment. Et on a fait graver derrière, parce que c'est si beau. Venise est bien plus qu'une ville. Elle est comme un songe posé sur l'eau. C'est-tu pas beau? Extraordinaire. C'est ça que tu lis à tous les matins quand que tu te maquilles. Bon, choisis quelqu'un qui va gagner le cadeau mystère. Vas-y, c'est à ton tour. C'est moi? Oui. Voilà. C'est qui? Lynn Bellemare! Lynn Bellemare! Bravo, Lynn! Donc, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que Lynn gagne? Le magnifique petit cadeau artiste mystère. Alors, Lynn, tu dois nous écrire en privé. Pour que tu puisses nous envoyer. Mais moi, j'étais énervée. C'est quoi? Même elle était énervée. Regarde bien ça. Ça, c'est des éditions limitées, évidemment. Alors, yay! Mylène a partagé. Merci, Mylène Fontaine. Oh! Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est de la paillette, en tout cas. On va le découvrir tout ensemble. Oh! Oh, écoute. Ça, là, c'est-tu pas festif, tu penses? C'est dans la festivité même. C'est extraordinaire. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Très beau. C'est bien beau. Donc, félicitations, Lynn. C'est toi qui as gagné! Bravo! Bravo, Lynn. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le live spécial rétro. On voulait faire un peu différent du temps des fêtes, mais on va revenir parce que là, il nous reste le jour de l'an. On a plein de thèmes. Écrivez-nous c'est quoi les thèmes que vous aimeriez également qu'on voit. Je peux avoir des invités spéciaux également. Hein? Il y a Mamélie qui peut revenir, il y a Claudia, il y a Mélissa. C'est qu'on peut faire comme thème, ah, ouais. Il y a tellement de thèmes qu'on peut faire, tellement. Je vous souhaite un très beau dimanche. Allez emballer vos cadeaux, arrêtez de procrastiner parce que là, c'est pas quand est-ce qu'on va mardi, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, c'est ça, exactement. Allez faire vos dindes, allez faire vos pâtés à viande. C'est le temps de dinde, dinde, swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Encore une dinde. C'est le temps de dinde. Non, mais mamie. Ça, là, c'est au jour de l'an, puis on. Là, c'est quoi Noël? Minuit. Non, ça sera pas possible. Non. Ça, c'est cute, mais mettons en français. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure, quand par l'hiver. Hey, on connaît pas nos classiques! Le petit renne au nez rouge, ah comme il était mignon! Le petit renne au nez rouge. Non, mais moi, je me demande, Mamélie. Une fille qui l'entendit pleurer dans les bois. Dans les bois. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Hey, j'étais dans la chorale en plus, puis je m'en rappelle je plus. Je dirigeais la chorale. Et j'étais dans la chorale. Moi, j'ai une demande spéciale pour Mamélie. Si tu passes, tu viens de nous mener un bon café. Non. Un pain russe? Ouais, je mangerais ça aujourd'hui. Un pain russe. On va demander à Mamélie. Mamélie, tu fais-tu du pain russe? Mais pas avec du fromage cheese whiz, là. Non. Philadelphia. Mais là, je pense que Mamélie, elle veut devenir keto, elle aussi. Là, Mamélie, ça va pas aujourd'hui. Là. Moi, je veux du pain russe. Qui mange du pain russe pendant le temps des fêtes? Ma belle-mère fait le meilleur pain russe au monde. Non, mais Carmen. Mamie Angèle. Pierre va s'occuper. Bon, aujourd'hui, elle prend du temps avec son petit-fils. Ben oui, mais il s'en va dans le bois avec Papilly. Ouais. Jukebox ambulant. OK, une dernière, après ça, on s'en va. OK. C'est quoi?
Aidez-nous! Est-ce que... Quand par l'hiver, dans nos campagnes, on t'entonnait l'hymne des cieux. C'était toi la dirigeante de la chorale? Moi, je dirigeais une chorale, là, sans arrêt. Ouais, ça devait pas chanter fort, mais parce que là... Je sais pas quoi te dire, là, je m'en Que j'aime ta verdure, quand passe l'hiver... Ben oui, mamie Angèle! Mais qu'est-ce qu'elle attend pour nous en faire? Ben oui, ça part en cacahuète, là. Je fais des plots à... Ah, bon. Ça, j'en veux pas. Ben, écoutez ça. Bien, je vous explique, là. Des plots. Est-ce que vous mangez des plots pendant le temps des fêtes? Moi, j'adore ça. Pourquoi qu'ils rient ici? C'est dégueulasse. Non, non, des plots, c'est un mets typiquement québécois. Dégueulasse. Du temps des fêtes, c'est exceptionnel avec du ketchup maison. La texture. C'est Mamily qui fait les meilleurs plots au monde. Les meilleurs plots au monde. C'est des boules de pâte qui bouillent dans du ragoût de. L'or. Non. C'est-tu ça, ma? C'est pas bien. C'est pas très oui, ma, je sais, tes plots, c'est les meilleurs. Alors, tu peux avoir des plots avec de la viande ou pas de viande. Moi, j'aime même plus pas de viande. Puis les meilleures, c'est celles qui sont croustillantes sur le dessus. Parce que ils ont comme doré. Parce que ça, ça doré. T'aimes pas les plots? Ça voyons! Pâté à viande, ça m'écœure. Pâté à viande, c'est excellent. C'est excellent. Mais je pense que j'aimerais ça qu'on fasse un live pendant que tu fais les plots. Ah, oh, bonne idée. C'est une bonne idée, ça, hein? Non, c'est grand, en arrière. OK, sur ça, on vous souhaite un très beau dimanche. Allez faire votre sapin de Noël, s'il n'est pas fait. J'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël.